soit devenu cher au pays. Tout est devenu cher. Au marché, ça a devenu cher. Même pas qu'on fout augmenté. Nous, on n'est pas là, ça. Donc, les autorités, science est pour nous. Effectivement, ce qu'il a dit, il n'a pas menti. Je prends l'exemple de ce que je suis en train de vendre. Les poissons là, en bas, là. Je prenais ça à 5 à 500. Mais aujourd'hui, là, je me retrouve à 7 à 1000 francs. Et regardez les crédits. 7 à 1000 francs, je suis venu, j'ai trié. Voici aussi, j'ai trié, je suis en train de vendre à 150. Quand tu prends quelque chose 7 à 1000 francs, et puis tu viens vendre à 150, tu te retrouves avec 50 francs pour bénéfice. Quand tu tries aussi un peu ce qui est moyen, tu vends ça à 3 à 500. Mais pendant que tu es en train de vendre à 3 à 500, à certaines personnes, tu trouves que c'est cher. De capter le prix. Donc, c'est trop difficile. On fait avec ça. On est heureux de faire avec ça. En charité, là, vraiment, c'est difficile. Que l'État vraiment pense à nous pour nous aider. Sinon, c'est pas facile. Les femmes qui viennent, elles ont l'envie de manger. Entends, je suis allée prendre ma chose qui est chère. Je vais vendre pour avoir un peu de bénéfice, mais elle va venir. Elle trouve que 3 à 500, elle a pris pour aller faire sa sauce. Ça n'est pas suffi. Elle est obligée de prendre aussi crédit. Pourtant, en prenant du crédit, ça ne m'arrange pas. Si on compte qu'elle a là. On va parler. La boîte était à 3 000. Aujourd'hui, on se retrouve à 6 000 francs. Mais champion, la boîte à 1 000 francs. On se retrouve à la boîte à 2 000. Regardez l'état. L'état va 50 francs. Et c'est comme ça qu'on va vendre. Moi, je fais ça à 50. Chez certaines personnes, c'est 100 francs. C'est l'état. Mais voilà que depuis que j'ai mis mes 50 francs là, c'est impossible pour prendre ça. Ça là, la boîte était à 1000 francs. Aujourd'hui, la boîte à 3000. Très transport. On va faire comment? Où allons-nous? On parle, on dit c'est ici, c'est ici, c'est ici. Non, on est dans la main de Dieu. Ce que Bébé Philippe a dit là, c'est la vérité. Il a parlé la vérité. Actuellement, un sac de piment, là, on prenait ça, 8 000. Ça devait être 23 000, 25 000. On ne peut rien acheter. Tu t'en vas à la boutique, tu veux payer l'air. On te dit c'est 20. De l'air de 100 francs, de 125. Tu parles, on dit c'est quitté à l'Ukraine. Donc, à part chez les Blancs, là, chez nous ici, là, on ne peut rien manger encore. Donc là, l'État là, n'a qu'à voir quelque chose, il n'a qu'à faire quelque chose pour nous. On est fatigué. On est fatigué. À cause de ça, on ne peut même plus se laver. Sa voix est chère. Tout est cher. Huile même, là, on ne peut même plus payer encore. On est fatigué. Je vais au marché. Celle-là, celle, avant c'était 2500. Après, ils ont augmenté 250. 2700. Après, ils sont venus faire 3000. Aujourd'hui, les Maïfés, viens de payer ça tous. Les Maïfés ont dit 3200. Tu vois, non? Chose arachide. 50 kilos là. 50 kilos là. C'est devenu 44 000. Vraiment 4 000. Pourtant, quand ça, avant, on venait à 30 000. Si c'est trop cher, 35 000. Mais c'est devenu 44 000. Ouais, boire des 500. Maintenant qu'on sait, on est limité, on dit, c'est petit dedans. On ne peut pas faire beaucoup. Hein? Afi, boîte là, 7 000. Afi là, on fait boire des tomates, ça là, on rentre là. On fait 7 000. Puis on va attacher 50, 25. L'argent amène à sa son là. Si tu n'as pas serré son son là. On est plus dans son devenu chien. Si tu m'as joué aux mêmes choses. Tu m'as dit, on fait 25 versets maintenant, ça a augmenté. On fait 300 francs. 300 francs, 1 à 50. Tu vois, on a tout augmenté. Lui rouge, la dernière fois, la fille a dit qu'ils ont augmenté. Donc, elle a augmenté. Nous aussi, on va diminuer. Avant ça, là, on fait 300. On fait à 500. On fait à 600. Tu vois, quand elle.
ils augmentent, ils font on augmente. Parce qu'on ne peut pas faire même plus que ce que vous faites, moi je ne vais pas sortir. Quand ils augmentent, nous on met un peu dessus. Parce que si on ne peut pas sortir, on ne va pas sortir. Ça là, balance ça là. On prend là-bas. 3, 4 à 500. Des fois 3, 4 à 1000 francs. Nous aussi, on s'en paye à la dame pour payer. On va payer transport, on va payer ticket, on va payer boulet. Tout ça, là, c'est dans ça, là, on va mettre. Ça ne sort pas. Avant la placard, il en prend 4 à 1000 francs. Maintenant, on prend 5 à 7 et 1 à 2000. 6 à 2000. Tu vois, non? Ça nous a rendu. Tu es la personne, c'est nous. C'est mon poisson, j'ai vu des ça, ils vont payer ma maison, l'eau, courant. Mais deux jours, le poisson est devenu trop cher. Le poisson, ça, on peut compter à 5 amis, on compte 7 amis, 2 000. Un carton de brochure, on prenait à 20 000, ça devient 40 000, deux fois 35 000. Matéo, on peut compter 4 à 5, 5 à 5, 2 000. On nous donne maintenant 4 à 2 000. On est obligé de faire 600 pour avoir un peu la vie. Magne la même chose. En vrai, Magne, on prend 4 à 5, 5 à 500. Maintenant, c'est devenu 4 à 1000, 9 à 1000 francs, de fois 4 à 500. Vraiment, le temps n'a pas voir ça pour nous. Il a raison, c'est la vérité, tout est devenu cher. Ce que bébé Philippe a dit là, c'est vrai. Hein? Alors, tout est devenu cher. La base de savon liquide avant, on payait ça à 200 000. Maintenant, c'est devenu à 300 000. Quand les clients viennent, on leur dit les prix, ils se plaignent, c'est devenu cher. Il ne m'en va jamais. Avant, c'est ma mère, même là, ça va faire à chaque fois. Comment que le marché est devenu dur. Dans deux jours, je me laisse un peu même d'aller faire à chaque fois. Qu'est-ce que m'en vais là? Tout ce qu'on payait, c'est à 12 000, c'est monté à 13 000. Bâché qu'on prenait à 5 000 pour venir là, c'est devenu 15 000, 12 000. En tout cas, le monde là, c'est devenu cher. Que l'État n'a pas avoir pitié de nous. Tout ça, c'est pas facile. Ce que Baby Fouga a dit, c'est bon. Même les médicaments, même là, tu t'envoies, c'est devenu cher. Donc, nous, même maintenant, on est mort. Vous voulez que quelqu'un mourir deux fois? Tiens! Non, en tout cas. La dernière fois, je passais un peu sur les réseaux sociaux. C'était hier, je crois. J'ai vu un peu la vidéo de l'artiste Baby Philippe qui est en train de dénoncer un peu la cherté de la vie et tout ça. Et j'ai vu qu'il avait parfaitement raison. On est dans un pays où, depuis un bon moment, tout a augmenté. Tout a augmenté. On ne sait pas où on va. Quand tout augmente, augmenter les salaires. Pour qu'on puisse prendre l'argent là pour aller acheter ce qui a augmenté. Immense 100 francs, tu ne peux pas payer aujourd'hui. La maman qui vend au marché, regardez les mamans, elles vendent ici. Ça qu'elle paye à 8 000, c'est devenu 20 000. 8 000, ça devient 20 000. Il y a 12 000. Elle va s'en sortir comment? C'est dedans va nourrir sa famille, c'est dedans va payer maison, c'est dedans va payer l'école de ses enfants, habits de ses enfants. Elle fait quoi? Elle laisse ça pour aller voler, pour aller se prostituer, ou bien elle fait quoi? Elle a décidé de se débrouiller. Et tout ça, ça devient compliqué. C'est devenu difficile. On ne peut même pas manger. Tu passes ici, tu veux payer manger, ça a augmenté. Tu veux payer ça, ça a augmenté. Augmentez tout ce que vous voulez. Ça dépend de vous. Mais à Yopougon ici, là, nous, on a poc. 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 Le jour où vous allez augmenter poc, c'est ce jour-là. Vous allez savoir que on n'augmente pas des choses. Poc seulement, n'augmentez pas. Voilà. En tout cas, ce que Baby Philippe a dit, bravo, 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 parce que c'est un artiste. Il faut dénoncer. Pas du tout pour chanter les roucas, il faut dénoncer. Merci beaucoup. Et puis, gouvernement, ce n'est pas pour parler mal. Oh. C'est nous, on vous a placé, c'est nous, on vous a mis là. Revoyez un peu les choses pour que chacun puisse s'en sortir. Merci beaucoup. Bon, effectivement, ce que le chanteur a dit, il n'a pas menti. Il a dit, c'est nous, on me sent sur le majeur en moi. Parce que souvent, quand on dit aux clients, les trucs là, quand on dit les gens, ils pensent que c'est nous, on augmente. Or, ce n'est pas nous. Vous avez dit, tu vas plus payer une boîte de commande, c'est ça que j'ai vu. C'est 3 000. J'ai mis 100 francs, mais ça vient de 3 100 francs. Après 3 200 francs, 3 000 francs. Ça va au fur et à mesure, les prix, on s'en prend quoi. Quand tu t'envoies, tu te dis, c'est pas du tout que c'est ça qui t'envoie là-bas. Sac d'oignon est devenu 50 000 francs. Le plus, ça devient qui quitte au Niger. Le blanc, là, 9 500. L'arachide, gros sac d'arachide, on vendait à 50 000, 45 000, c'est devenu 80 000 francs. Le gros sac. En tout cas, on n'arrive pas à s'en sortir. Le sel est devenu 3 000 francs.
Or, oh, avant, c'était 2500. Si on dit, si ils ont mis 100 francs dessus, après, demain, tu t'en s'est augmenté. On n'arrive pas à s'en sortir. Donc, ça fait que les femmes, c'est qu'elles viennent faire, elles viennent faire acheter, disent que oui, elles n'ont pas l'argent. Ça fait que les trucs ne marchent pas. Parce que si la vie est chère, les trucs n'ont pas marché. En tout cas, c'est bien qu'il envoie qui dit ça, mais pour sauver, pour que le gouvernement puisse en faire un autre cas. Je remercie le chanteur. Aussi qu'il a dit. Parce que s'il n'avait pas dit ça depuis l'année passée, ce que je dis, il n'y a pas un gouvernement qui est venu dans le marché pour faire des, pour mener des enquêtes, pour voir comment ça se passe. Parce que chaque fois que les gens se plaignent, il n'y a personne pour parler. C'est lui seul. En tout cas, que Dieu le bénisse. Vous faites deux jeux, ça, mais maintenant, les cinq mois, ça ne suffit pas. Tout est devenu catégorie, vraiment cher. On souffre, on a fait, il n'y a pas l'argent, tout est cher, tout augmente. Une autre, un litre et demi, elle est de 2000. On fait comme on va, on va donner 2000. Il y a poisson mifou, ça ne veut pas qu'elle souffre, ça ne peut pas. On souffre pendant les deux mois, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai regardé sur les réseaux sociaux le message qu'il a donné aux autorités et puis à la nation. Je peux dire que c'est tout à fait vrai. Parce que quand nous venons sur le marché, au fur et à mesure, les choses augmentent, tout augmente, c'est vraiment difficile de le marché, parce qu'à chaque jour qu'on vient, c'est des nouveaux prix et puis ça descend pas, hein, ça augmente toujours. Donc franchement dit, Baby Philippe, il a, son message a été clair, quoi, que les autorités réagissent pour vraiment nous aider, parce que c'est pas facile. Est-ce que vous... la sécheresse, on comprend même pas pourquoi c'est sécheresse avant la même temps à la bataille là, 2300. Alors, nous, on prend à l'abattoir 2700, 2800. Donc, on vend au marché, c'est 3000. Donc, on aime tout ça là. Quand on l'abattoir là-bas, elle peut tout ça là pour nous. Voilà. Quand on l'abattoir là-bas, elle peut. Mais ça, quand il vient, il faut vraiment faire tout nettoyer. Même ce que tu vois là. Voilà, elle peut. Mais les clients, encore quand ils viennent, ils disent non, qu'elle ne va pas. Voilà la dame qui est. Donc, ce qui est fait, tout le condiment là. Parce que c'est moi, ça ne m'arrange pas. Mais les gens, c'est un peu que vous ne pas que ce n'est pas nous. C'est pas nous. C'est là-bas, ça augmente. Quand ça augmente, ça va même se nous rendre. Pourquoi de tout? Puisque nous, on a famille, on paye une maison, on paye tout. Tout le condiment pour nous voir, nous, on paye. Viens, tu es là. Chaque jour, il faut aller à la maison. Donc, ce qui c'est fait, ça ne m'arrange pas. Mais, on comment? Ça va dans le côté. C'est pas notre faute. Bon, en tout cas, nos marchés, les gens doivent venir de nos marchés, que le marché de toi où je cherche. Nous, on ne comprend pas. On est devenu comme femme. Le nom des femmes est gâté. En fait, le marché, là, quand on s'en va, les barres, on n'arrive pas à acheter. Les barres sont chères. Nous souffrons aussi. Les barres sont chères. Quand on vient en place, les femmes, elles se plaignent. On ne sait pas comment s'arranger. En tout
faut que les barres sont chères. Bon, je ne sais pas, les mamans, ça c'est papa ou maman au bout de tout, ça c'est pour nous aussi. Quand on vient aussi pour payer aussi, là, c'est un problème. Les parents ont payé quelque chose de 100 francs, 200 là. On voulait qu'ils prennent tous nos cadeaux pour leur donner. En plus, on s'apprend à arranger, barrer les chèques. Non, si on fait ça là, on ne peut pas s'en sortir. Non, en tout cas, nous demandons pardon, quoi. C'est pour nous. Je veux dire qu'aujourd'hui, le marché est devenu très très cher. On n'arrive même pas à s'en sortir. Moi, comme ça, je vends la graine, escargot, platanique, banane. Mais je pense que c'est tellement délicat que aujourd'hui, le sac de banane est en 5 000 francs. Je n'ai même pas l'argent même pour payer. La graine aussi, le sac à 12 000. Pourquoi est devenu tellement cher? Aujourd'hui, là, tellement le marché est devenu cher. Moi, ça me fait 5 ans, je ne mange pas de viande de bœuf. Je mange seulement que pourquoi aussi est devenu cher? On ne peut rien payer. On ne peut pas payer. Donc, toute personne qui va m'écouter, qui va m'entendre, c'est qui mon frère, lui, Philippe, a dit là, la dernière fois, le jour où on faisait ministre, là. C'est la vérité, il n'a pas menti. Aujourd'hui, là, garçon ne donne pas l'argent aux femmes. 2000 francs, 1500, lui, comme les femmes, on est devenu garçon. Garçon est devenu femme, c'est très dur. Bon, papa, à la santé, vraiment, tu me trouves, les autorités, si vous me trouvez là, aujourd'hui, là, faites quelque chose pour nous. On ne dort pas 4 heures, on est 6 pieds. On rentre à la maison 10h, 19h, on souffre. On souffre, les agresseurs aussi nous attendent, on souffre sincèrement. Aidez-nous. Je suis au marché de trois mouches. Aujourd'hui, là, voilà, maintenant, ben vite, il y a la graine seulement qui est là. Il n'y a pas de banane, il n'y a pas de platane, il y a riz. Tout est devenu cher. Notre argent est fini. C'est difficile. Après 5 ans, je ne mange pas de viande de bœuf. C'est pas que seulement je mange. Ça ne va pas. Les pauvres, on n'a pas mari, on a rien. On souffre de nous-mêmes pour avoir quelque chose à manger. Papa, donc, si tu me coûtes, je suis dans le pays de mer, je n'ai personne. Il n'y a personne. Non, oui, je suis dans cette situation pour vendre. On dit, ah, il ne gagne pas banane. Il ne gagne pas l'argent pour payer banane. Je ne gagne pas tout. C'est grand seulement j'ai. Les autorités, aient pitié de nous. Les pauvres, on n'a pas demandé à être pauvres. C'est comme ça la vie. Donc, aidez-nous. Merci. Là, en tout cas, je ne peux pas vous mentir. Tout est devenu cher. Tout est devenu cher, même. Tu t'en vas là pour aller prendre tes titres pour venir vendre. Tu t'en vas même là, quand tu es dit le bon matin, tu n'as même plus à payer. Bon, tu as calculé ton argent à la maison pour aller à la gare. Arrivé là-bas maintenant, on te dit, oh, tu ne peux même plus, à cause de tellement les titres sont chers maintenant aujourd'hui, je suis parti à la gare, je n'ai pas pu payer mes tomates. Faire le prix, on m'a dit, voilà, mon argent n'existe pas. Je suis venu avec un mari. Ah, vraiment, c'était de lui qui m'a dit, il n'a pas menti. C'est la vérité, tout est devenu cher. Quand ils placent les femmes là, viennent payer mes tomates, on dit, ma chérie, c'est cher de ah, c'est trop petit, je ne peux pas payer. Quand tu dis que ah bien, mais aujourd'hui je suis partie à la gare, c'est qu'on m'a dit là-bas, là, ça ne m'arrange pas. Si on va passer au premier comme ça pour gagner un peu d'argent dessus. Ah vraiment. Donc, président, on te demande pardon. On va avoir pitié de nous. Nous, on n'a pas maman ni papa. On s'occupe de nous-mêmes. Vraiment, pitié, pardonnez. Tout est devenu cher. Vraiment, on ne sait pas où aller. Merci. Thank you.